Mise au point, check. Salut la mif! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, je peux enfin dire cette phrase, yeah! C'est Juliette. Bah, c'est comme ça que je m'appelle en fait. Hein. Alors, pourquoi j'ai créé cette chaîne? Eh bien en fait, c'est très très simple. Mais avant, j'aimerais vous montrer un truc de fou quand même. Regardez. Bon, là oui, il y a ma caméra et tout avec mon petit micro. Et le micro, il est juste posé sur ma caméra parce que bah, j'ai pas les thunes de m'acheter une perche à son. Puis même si j'avais les thunes, je saurais pas l'installer en fait, donc voilà. Et regardez derrière. Le projecteur. Yes. Bah c'est tout, je trouvais juste ça trop stylé donc je voulais vous le montrer et puis voilà. Donc pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Donc en fait ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais envie de créer une chaîne YouTube. Ma voix? Je mue. J'ai 18 ans, je mue, je suis une fille, 18 ans, je mue, normal, tout va bien. Donc en fait ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais envie de faire une chaîne YouTube mais je manquais cruellement d'inspi, de temps, de confiance, de courage, de motivation, de beaucoup de choses. Et puis, j'ai eu l'idée d'une série de vidéos et c'est pour ça que je me suis lancée aujourd'hui. Alors maintenant, quel genre de vidéos il y aura sur ma chaîne? Si vous attendez une réponse comme, je sais pas moi, du gaming, du vlogging, du make-up, des podcasts et tout, clairement je peux pas vous donner une réponse vraiment précise. Le truc c'est que pour moi c'est trop restrictif de dire bah je ferai que ci, que ça, que ci, que ci. Parce que j'ai vraiment envie de partager plein de choses, de faire plein de trucs différents. Et c'est pour ça que, bah, en fait, je rentre pas dans de catégories spécifiques. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ma première série de vidéos va porter sur un thème que j'ai intitulé « Ode à la vie ». Alors non, déjà, calmos, hein, je vous vois tous venir, là, derrière les petits écrans. Oh, c'est quoi encore ce truc de poète torturé pété, là? Non, on se calme. Déjà, c'est pas très très gentil, tout ça. Alors, pourquoi cette série? Au fil, au gré de ma vie, j'ai pu parler avec ben, mes amis, des membres de ma famille, ou des personnes que j'ai rencontrées comme ça à des événements un peu anodins, voire singuliers, ça dépendait, sur la vie en général. Et je tiens officiellement à vous dire qu'on a tous à peu près le même point de vue sur la vie. En gros, les trois quarts du temps, il n'y a pas grand chose qui va. Soit on fait des études ou un travail qu'on n'aime pas, soit on a des problèmes familiaux pour des causes qui nous sont personnelles, soit on n'a pas de copains, de copines, soit on n'a pas le temps de faire ce qu'on a envie de faire, etc. Enfin bref, pour beaucoup de raisons, et même parfois pour aucune réellement déterminable en fait, si je puis dire, ben on se sent triste, on se sent malheureux, ou alors on peut se sentir juste perdu, vide. Et c'est très difficile de sortir de ces moments de torpeur parce qu'on a l'impression qu'on est un peu écarté, isolé du reste du monde. Alors, j'ai pas de remède miracle, parce que clairement si j'avais un remède miracle, je serais pas en train de faire une vidéo sur YouTube, hein, je serais en train de la déposer, de la breveter pour gratter les thunes du prix Nobel de l'invention de l'année, truc comme ça là. Donc non, j'ai pas de remède miracle, mais cependant il y a certaines choses qui aident à surpasser nos maux quotidiens, qui peuvent voilà, nous faire avoir le sentiment d'avoir la tête dans les nuages pendant juste quelques instants, ou alors bah, nous ramener bien sur terre avec plus de force, de conviction et d'espoir que jamais. Ce sont certaines de ces petites choses là que j'avais envie de partager avec vous dans une série de vidéos. Par contre ça veut pas dire qu'il y aura forcément que ce genre de vidéos sur ma chaîne, c'est juste une série dont j'ai eu l'idée, mais peut-être qu'elle sera entrecoupée de temps en temps d'autres vidéos. En tout cas, voilà, c'était un peu une vidéo juste introductive de ma chaîne. J'espère que la suite vous plaira beaucoup, beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à donner vos avis, à donner des idées, à donner des remarques sur ma coupe de cheveux, ma chemise, mes boucles d'oreilles, parce que vous avez vu, elles sont belles quand même. Non, elles sont belles. Elles sont belles. Calmez-vous, elles sont belles. Elles sont belles quand même. Ouais, faut le dire. Et puis surtout, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu des familles. Partagez la vidéo. Voilà, faites-en ce que vous voulez, ce que vous voulez. Mais en tout cas, lâchez-vous! En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes et d'énormes bisous, mamif. Portez-vous bien et on se retrouve très vite. J'étais en train de me demander comment finir la vidéo en mode... Parce que ça, c'est un peu nul, clairement. Et du coup, ben, on va faire de l'ASMR.